mon premier emploi m'a plutôt choisi, c'est pas moi qui a choisi mon premier emploi. J'ai débuté à titre d'ingénieur junior en feu de circulation, où justement donc, j'ai appris à connaître un peu plus les contrôleurs de feu de circulation. Donc c'est quand même c'est des systèmes qui sont automatisés. Donc c'est là où a commencé un peu mon aventure mobilité intelligente. La mobilité intelligente, c'est un ensemble de technologies appliquées au domaine des transports dans l'objectif de fluidifier la circulation. Donc on peut citer à titre d'exemple des panneaux à messages variables qu'on trouve beaucoup sur les autoroutes. Donc c'est des systèmes par exemple qui nous permettent d'avoir de l'information en temps réel ou en différé sur l'état des routes. On a aussi d'autres types de systèmes comme les systèmes de gestion de stationnement dynamique. Donc ces panneaux à jalonnement dynamique là donc, nous permettent de mieux gérer donc, l'offre de stationnement qui est disponible dans les grands centres. Alors ce qui est unique au niveau de la mobilité intelligente, c'est que c'est une expertise nichée et en fait on est appelé à participer à plusieurs projets, que ce soit au niveau des projets en développement urbain ou des projets en infrastructure de transport, nous sommes indispensables. Mon quotidien, il est différent. C'est-à-dire que ce que je fais aujourd'hui ne va pas être la même chose que ce que je vais faire demain et c'est ce qui m'excite le plus au niveau de mon rôle. Moi, personnellement, j'aime ça, accompagner les gens dans leur apprentissage professionnel puis de les voir grandir. En même temps, ben, j'aime ça, le domaine de la mobilité intelligente, c'est quelque chose qui m'intéresse personnellement. J'aime ça voir tous mes projets avoir un impact sur la société. Je suis très content et très heureux quand je passe, par exemple, par une intersection ou un endroit où j'ai implanté un système. C'est quelque chose qui me rend très fier en tant qu'ingénieur. Comment je vois la mobilité intelligente dans 10 ou 15 ans? C'est sûr et certain qu'on risque de voir beaucoup plus de systèmes automatisés. On commence à toucher une certaine courbe de croissance où on va aller vers un monde futuriste. Donc, que ce soit des véhicules autonomes, des robots, c'est des choses que je pense qui commencent à faire partie donc, de notre vie de tous les jours. Les possibilités sont infinies et j'ai vraiment hâte de voir comment ça va évoluer.